Bonjour, bienvenue à Andrézy pour le traditionnel rassemblement de voitures anciennes. Ben pour commencer l'année, je peux vous dire que le soleil il est tout juste au rendez-vous. Sur le coup des 11h, changement de climat comme on dit. Tant mieux. Bon ben ça c'est pas courant. Une ornette. On va en faire le tour. C'est sympa. Hein. Alors je vous rappelle notre grande parade qui va débuter à 11h précise. La grande parade Andrézy-Morcourt départ à 11h précise. Ce modèle-ci est peu connu dans les rassemblements d'anciennes. Il fera l'objet d'un reportage exclusif très prochainement. Bon ben on s'en va en balade du côté de Morcourt. La petite balade traditionnelle du RBMA. Et là cette fois-ci, je vais la faire dans une Cortina. Une Ford. De quelle année ? 65. Et en fin de compte, bon, quelqu'un a mis les mains dedans. Elle a eu qu'un seul propriétaire jusque-là et moi je suis le second propriétaire de ce véhicule. Et attention chers amis, l'ensemble des voitures vont revenir sur le parking et les voitures vont arriver dans 2-3 minutes. Bon alors la procédure pour descendre. Justement c'est une très bonne question. On va voir. Oh non c'est moche, ça c'est très moche. C'est vache hein. Oh oui ça c'est moche. Bon, t'as presque comme ça. Par là hein. Ben voilà, c'est fait. Ça marche bien là. Ça prend ça. Attention, écoutez, je vous souhaite à tous une belle et bonne année 2019, plein de santé, plein de bonheur, beaucoup de rire, beaucoup de rendez-vous avec vos belles mécaniques, et il faudra un petit peu d'argent pour tout ça, je pense à vous, ciao. Encore, bah c'est le gang des tractions hein, finalement. Bonjour, vous êtes bien accompagné vous, hein. Mais il prend un peu de place, hein. Ça va quand même, ça va le faire. Autre ambiance, autre époque. Nous voilà comme revenus dans les années 30. Toujours à Andrézy, à leur petit village sénéoise. Regardez plutôt. Cache ton piano, cache ton bâton, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Thank you.
1929. Torpedo C4 Pontet Tabatière. Comment tu dis ça? Tu peux me le répéter? C4 Torpedo Pontet Tabatière. Oh là 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 là. Alors j'explique. Pourquoi Tabatière, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi Tabatière? Parce que en dessous là, il y a un filet. Et les gens qui se mettaient derrière, qui fumaient la pipe, ils mettaient le tabac. Voilà, ici là, il y a un filet que j'ai pas mis encore. Ouais. Et qui est agrafé là. Et les gens qui fumaient la pipe, ils mettaient la pipe et le tabac. C'est incroyable ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pontet Tabatière. Pontet, c'est ça. C'est le pontage qui est là. Ouais. Et Tabatière, c'est... Eh bien, il faut être initié, hein, pour... Il y a une finesse, hein, quand même, là-dedans. Bon, celle-là, quand tu l'as récupérée, elle était... Démontée. Épave complète. Ah, épave complète. Combien de temps pour remettre 6 ça? 6 ans. Elle est sortie depuis combien de temps? Tu l'as fait rouler après restauration? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Il y a 15 ans, ouais. 1700 cm3, 30 chevaux. Soupape latérale, 4 cylindres. Alors l'allumage, là, je vois un... Là. Oui. Ouais. Ça, c'est pas l'origine, ça. C'est l'allumage. Si, c'était comme ça déjà, il y avait un allumeur comme ça. Ouais, ouais. C'est tel que c'est là, c'est d'origine. Combien de sorties? Je sais pas. Ce modèle-là, je crois, il y en a eu... à Levallois, il y en a eu 1000. 1000. Mais c'est pas beaucoup, hein, 1000. Donc ça, c'est une voiture qui a été fabriquée chez Citroën à Levallois. C'est la seule roulante aujourd'hui. En France, oui. Eh bien. Et même le patrimoine l'ont pas. C'est... Et ils voudraient bien la récupérer. Bah, t'es pas d'accord? Non. Ça, c'est une auto exceptionnelle, hein. Faut que tu m'emmènes faire un tour dedans, hein. Ouais, quand tu veux.